Et ce soir, jeu d'horreur version Noël. J'ai trouvé deux jeux de Noël vraiment pas mal. Enfin, ils ont l'air plutôt bien. Et il y aura Death Park aussi. Je connais pas. Un jeu d'horreur. Voilà. Donc là, on est parti pour un bon live, hein, je pense. Ah, l'ambiance de Noël. Donc là, tu vois le parfait mélange entre Noël et l'horreur, tu vois. Ils sont forts. Allez, on se met en ambiance horreur. Allez. Hold the left mouse, button, on connaît les bases. On va mettre du son. Est-ce que vous avez du son? C'est bon le son? Bon, j'ai mis le son à fond là. C'est parti. Donc là, let's go. Merry Christmas! Alors je vais essayer de traduire. Joyeux Noël! Tu passes beaucoup de temps derrière ton écran. J'ai laissé une note sur le mur et tu ne l'as même pas remarqué. Nous avons décoré le sapin. Go and have a look. Ah, viens voir notre déco quoi. Ok, c'est très bien. Eh, sympa la chambre là. Regardez. Ah ça, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai jamais fait. Tu sais, avoir le PC ici et la télé au-dessus au mur, je trouve ça stylé. Et tu gagnes de la place en fait, c'est trop bien. C'est cool au niveau du son, nickel le son, bon banana, sympa le sapin, GG l'anglish, merci. GG l'anglish. Alors il est minuit moins 20, minuit moins 10 plutôt. On y va. Je vais augmenter un peu le son. Voilà. Bon, j'espère que c'est fluide, hein, le live. Je sais pas. Vous me direz, hein. Putain, j'ai déjà peur. Alors qu'il s'est encore rien passé. Mais, te ferme pas. Mais. C'est bon. Ok. Bon. Fermé. Ouvert. Ah, voilà le sapin, putain. On y est. Bah voilà. C'est joli comme tout. Ok. Oh putain. Merde, ça y est, ça commence. Merde. C'est la tempête. Ok. On a une note. How long has it been since they left? Combien de temps cela a duré avant qu'ils ne partent? Faut faire attention, elles sont super violentes dans les jeux d'horreur, les portes. Ah, ok, les lumières viennent de s'éteindre toutes seules. What the fuck? Salut toi. Pourquoi tu regardes... Ah, tu me regardes moi? Oh putain, je crois qu'il vient de bouger. C'est quoi ces conneries? Putain, il bouge. Il bouge, regardez. Ah, il bouge. Ok. Ok, très bien. Ah. Une clé ici. Ok, on a chopé une clé. J'ai la bouboule qui gigote là. Ok, on se casse d'ici. C'est bon, c'est une lampe. Oh putain, on a la lampe. Yes, prends. Ok, c'est bon. Ah, ça veut dire depuis combien de temps sont-ils partis? D'accord. Heureusement que vous êtes là, hein. D'accord. Oh putain. Un micro-ondes. J'ai faim. Ah, c'est quoi ça? Mais qui met des têtes de cochon dans son frigo? Personne fait ça. Ah, ça y est, c'est cuit. On peut ouvrir? Qu'est-ce que c'est? Un cœur qui bat. Mon dieu. C'est très bizarre. Bon, on va prendre la clé dans l'œil, hein. What?
Le cœur bat toujours. Ok, c'est très bizarre comme jeu. Je m'attendais pas à un jeu. Je m'attendais à un jeu un peu plus festif, tu vois. Non, en fait, c'est clairement un jeu d'horreur, quoi. Il y a même pas de Noël. En termes de Noël, il y a juste le sapin dans le salon, c'est tout, hein. Bon, on a chopé une nouvelle clé, les crozes. Ah, nickel. Ah ! Un truc vient de passer à la fenêtre. Je ne suis pas fou. Heureusement que j'ai mangé ma charcuterie avant. Ah ! Putain ! Oh, vous avez vu dehors ? Il y a une clé là. J'ai peur. Si je prends la clé, il va me sauter dessus. Ferme la porte, la fenêtre est fermée, c'est bon. Il peut rien me faire. Putain, il respire. Je le vois bouger. Il fait peur. Il fait peur. Ok, on prend la clé, les crozes. Ça va, monsieur ? Il fait un peu froid dehors, hein. Ah non, je vous laisse pas entrer, non. Non, je suis bien tout seul. Ah ! Ok, il a réussi à rentrer. Eh, je commence à avoir chaud sous mon chapeau, là. On vient de commencer le live, je transpire déjà. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Putain, il est à l'intérieur, quoi. Bon. C'est des triplés. Non, mais grave. Il se téléporte, le truc. Bon, il est à l'intérieur de la maison, du coup. Ça, c'est un peu moyen, non ? Comme projet. Oh, putain. Bon. Ok. On a récupéré une autre clé, hein. On va essayer ça. Non, on va essayer ça. Oui ! La douche! Ah, il y a du sang qui coule de la douche. Je sens mal. À chaque fois que j'ouvre un truc dans ce jeu, j'ai peur. Ok, il y a une clé. Oh, enfoiré de tes morts! On se casse! Je suis enfermé. Direction dehors, non, c'est bien, s'enfuir. Je veux partir. Je vois rien, putain, et c'est sombre. Hein. Est-ce qu'on peut augmenter un peu là? Ah non, on peut pas. C'est un peu sombre. Ah, on est revenu dans notre chambre. Ah oui, on est revenu dans notre chambre. Ah, on peut aller carrément sur le chat. Hey you, I know that you're here. Salut, je sais que tu es là. Est-ce qu'on peut envoyer un message? Oh, ça serait... Oh, on peut envoyer un message! What? Attendez. Hey, you, I know you are here. It's... attends. It's... Non, that's... Putain, je suis en majuscule. Je suis perdu. That's... Christmas. Don't kill me, please. You need to hurry. Do you want to get out of here? No, I'm fine here. I take a shower and go Netflix. Franchement, tout va bien, non? C'est trop bien. Merde. Putain, ça commence à... Oui, yes, yes, I go out, please. Do you want to get out? Yeah, yes. Tsukso, you have one chance. Tu as une chance. If you do, si tu fais tout ce que je te dis, peut-être que tu vas réussir à t'enfuir. Si tu ne le fais pas, then you will. Tu vas rester avec ton nouvel ami. Ready to listen? I'm fucking ready, bro. Listen carefully. Oh putain. Concentration. I will open the door to the next room.
Right now, inside your fun. Attends, va pas trop vite, mec. Inside your fun toy house. Behind him, the key to the exit. Take it and get out the word. Good luck. Attends, mec. Qu'est-ce qu'il dit? Oh merde. Ah! Inside you will find a toy house. Oh putain. Open the door to the next room right now. Ok, ok, ok! J'y vais! Comment je fais pour quitter cette merde? C'est bon. Bon, j'espère que vous avez compris les creuses, on y va. Il va être derrière toi. Quoi? Y'a personne derrière moi, qu'est-ce que vous racontez là? Arrêtez, hein! Y'a rien, c'est bon. Bon, next door, c'est quoi la next door? Ça doit être ici, non? Non, putain, merde. Je vais me perdre. Le perso du jeu est grave serein quand même. Attends. Là, il y a un jouet. Donc la clé est censée être derrière un jouet, c'est ça? Ok. Je crois pas que c'est ici. Putain, c'est marqué die sur les boules. Putain, les crocs, attendez, faut que j'aie. On va aller relire. Le mec qui prend tout son temps en... Ah, c'est là, putain, attendez, c'est bon. Oh, putain. Alors, attends. Ok. Donc, il y a une clé derrière un nounours. Alors, faut trouver l'objet, c'est ça? Putain. Put quoi? Ah, là. Oh, on a la clé. Ok, on a la clé. On se casse. C'était plutôt simple. Direction la sortie. Où est cette putain de sortie? Merde. Oh mais mec, pourquoi t'es dans la porte? Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, je suis bloqué là. Mais creuse, Qui fait là? Elle est où la sortie? J'ai trop peur qu'ils viennent me tuer là. Faut que j'aille relire, putain, faut que j'aille relire. J'ai pas capté ce qu'il fallait faire après la clé. Find the exit, y'a pas d'exit. Oh. Ah là! Oh putain, c'est bon. Ok, on est dehors. Feu d'artifice! Yes! Ça va les gars? Ah mais c'était des triplés, putain, vous aviez raison. C'est des triplés. Waouh. Joyeux Noël les mecs. Ah, vous êtes beaucoup en fait. Ok, je crois qu'on vient de finir le jeu. Oh! 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 On a ouvert un truc. Est-ce que c'est la porte... C'est la porte bloquée, putain, on va avoir la bonne fin peut-être. Face sur fire. Ah. What? C'est quoi ça? Salut. Putain, t'as grandi, mec. Qu'est-ce que c'est? Face sur fire. Une clé. Broke the game. Putain, j'ai broke le game. J'ai broke le game. Clique sur le verrou. Oh, bah attends, mais comment veux-tu savoir ça, sérieux? What? Mais... What? Oh putain, on l'a fini! Player online 485. Ironie of Nightmare. Ça y est? On était dans la matrice, en fait, tout ce temps.
Moi je dis, ça vaut un Ferrero tout ça. Bon, en tout cas, merci, merci pour l'aide. Eh, c'est un truc de fou. Genre, surtout le côté. Le côté. Où il faut cliquer sur le cadenas de l'écran en bas à gauche pour faire apparaître une porte. Ça, j'aurais jamais trouvé. J'aurais absolument jamais trouvé. Alors, le deuxième jeu, c'est Krampus is Home. Ça a l'air très bizarre. Ça a l'air vraiment très bizarre. Eh, d'ailleurs, dites-moi ce que vous avez eu comme cadeau. Ça. Toshi Resident Evil 3. Ah, mais Resident Evil 3, j'ai vu le trailer, mais il y a mon petit cœur de gamer nostalgique qui a battu très fort. Ah, bah oui, je l'attends. Mais c'était sûr, avec le succès du 2, avec le succès du 2, c'était sûr à 1000% qu'ils allaient faire le 3. Il y avait presque pas de surprise, en fait. Tu le savais qu'il allait arriver. Et du coup, il arrive en mars. Ouais, je crois que je l'avais vu qu'il arrivait en mars, ouais. Ah non, moi, j'avais vu avril. Je sais plus. Non, mars, oui, mars. Ah, vous connaissez Krampus, c'est une blague. Krampus is home, c'est ça le jeu. Vous connaissez? Bienvenue, Pet Squad. Il y a plusieurs jeux qui ont Krampus dans le titre. Ah ouais, c'est Krampus is home. Krampus, je dois avouer que le design de la bestiole dans le film m'a mis pas bien. Ah, il y a un film qui s'appelle Krampus, d'accord. Ah, je sais pas du tout. Il y a un film qui s'appelle Krampus, ok. Je connais Krampus et la légende, mais pas le jeu. C'est quoi, c'est genre... Krampus, c'est un peu genre Wendigo, version Noël, c'est ça? Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent. Là, je connais Krampus. J'ai eu des mangas, un stylet de tablette tactile, des soins Yves Rocher et un casque. Ah bah cool, Kaichou, putain, t'as été gâté. T'as été gâté aussi, Voka, c'est cool. Bienvenue, Cookie et Crips et Crisp. Bienvenue à toi. Moi, j'ai des mangas, une BD... Ah, mais vous êtes beaucoup à lire tout ce qui est manga et tout. Hein. Une BD, un pull, un mug... Ah, Luigi Mansion 3. Tu sais que je veux absolument... Parce que moi, je suis un grand fan de Luigi Mansion. Hein. J'ai un souvenir de ce jeu quand j'étais gosse, mais c'était dingue. Et quand j'ai vu le 3 arriver sur Switch, j'ai fait « Mais putain, mais c'est un régal, mais j'ai pas la Switch. » Et ça me fait chier d'acheter juste la Switch pour Luigi Mansion 3, tu vois. Pour un jeu, ça m'embête un peu. Du coup, bah, je peux pas jouer à Luigi Mansion, j'aimerais trop. Bienvenue à Milis! Bienvenue, bienvenue! Fais voir Toshi, je connais pas. Faire voir quoi? Bah, je sais qu'il me le faut, Luigi Mansion, là. Et je sais, j'ai vu un peu le jeu, hein. J'ai vu à quoi il ressemblait, et ça me donne terriblement envie, mais... Pff. En vrai, j'ai eu un écran et un disque dur pour le boulot. Ah bah, parfait. J'ai eu une table de lit pliante pour PC. Attends, une table de lit pliante? Ah oui, les tables que tu mets, genre t'es dans ton lit et t'as une table qui... comme ça pour... Ouais, ça c'est pratique ça, c'est bien ça. Putain, grave. Parce que quand tu le mets sur tes jambes et que ça chauffe là, y'a rien de pire. Un plaid tout doux et une guirlande. Le plaid tout doux. Et puis des jeux en promo sur Steam que je me suis payé. Ok. Ah, je l'ai, ça y est. Voilà. Alors, j'ai un code de réduction. Écoutez bien. Why, hello there. Ah, ça marche. And welcome. Yes. Hey, merci pour le sub, Queen Crow. Merci beaucoup à toi. C'est gentil. Merci. Du coup, écoutez bien. Alors, j'ai un code à valoir chez Samsung Shop, donc sur le site de Samsung. Jusqu'au 31, après le code est mort. Donc vous avez une semaine. Sur le S10, S10 Plus ou S10e, avec ce code, vous avez une réduction de 260€ sur le téléphone. Ce qui est très intéressant. Du coup, j'ai le code, je vais essayer de le faire gagner. Je sais pas comment, mais voilà, je vais le faire gagner pendant ce live. Voilà,
C'est toujours ça de prix en vrai. Hein. Pour ceux qui veulent un très bon téléphone, ben voilà, ça fait 260€ de gagner quoi. Bon, j'espère que ce live vous fait plaisir. Vous savez que c'était pas prévu, hein, un live de Noël. Je l'ai fait au dernier moment. Je me suis dit, allez, c'est parti, on fait les fous. Du coup, j'espère que vous passez un agréable moment. C'est quoi, c'est nous ça? Oh putain, mais ça, c'est le mec tout seul à Noël qui a pas d'amis et qui a pas de famille. Oh! Eh mais ça ressemble vachement au jeu de... le premier jeu là, c'est le même. Avec le truc qui passe à la fenêtre et tout. Je crois qu'il y a une bébête dans la maison. Ok, c'est parti, on joue. Waouh. Ah, c'est stylé de ouf! C'est trop bien. Mais moi je reste là, moi je regarde le film. Bah attends. Eh. Interagir. C'est trop bien, il y a un film à la télé. Bonsoir Amélis. Il y a un film à la télé. Ah, il est mort. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est un film qui a été créé pour le jeu? Ou c'est un vrai film? Ça vous dit quelque chose, les crosses, ça? Non, on va quand même faire gaffe, parce qu'il y a quand même un truc qui est passé à la fenêtre, là, on va pas faire les fous. Hein. Ok. Ah, on peut allumer les lumières, ça, on va allumer les lumières. Vous savez, moi j'ai un problème avec les lumières, c'est que, je sais pas pour vous, alors je sais pas si je psychote totalement, s'il y a que moi qui pense ça ou pas, mais j'ai très peur d'allumer mes lumières quand je suis tout seul chez moi, qu'on me voit de l'extérieur. En fait j'aime pas le, tu sais quand il y a des fenêtres comme ça, je pense toujours que quelqu'un est dehors dans le noir et qu'il regarde, il peut voir. Merci Super Yiyi pour ton sub. Merci beaucoup. C'est super gentil à toi, merci. Ouais, du coup, je disais, j'ai toujours peur que quelqu'un dehors bah, voit à l'intérieur de... En fait, j'aime pas qu'on voit à l'intérieur de chez moi, je déteste ça. C'est un truc, je suis pas bien. Même limite, aller fermer les volets, je suis en mode... tu sais, je me cache derrière la fenêtre et je vais à fond pour le fermer, tu vois. Le gros psychopathe. Ça n'a aucun sens. Bref. Mais ouais, c'est ça, putain, moi j'aime pas qu'on m'observe de dehors. Bon bah ça va, je suis pas le seul du coup. Bon attendez, alors, qu'est-ce qui se passe? On est dans la maison. Ah putain, les décos sont sympas déjà. Bonne décoration. Ok, on peut ouvrir les portes, on va allumer les lumières. Eh mais c'est quoi cette maison de ouf? On est vraiment seul à vivre là-dedans? On peut courir, ok, on peut courir. Et bah attends, si tu veux faire ton jogging, t'as même pas besoin de sortir dehors. Regarde, tu tapes ton jogging ici, c'est très bien. C'est étrange, j'ai cru voir quelque chose. D'accord, on a un labyrinthe dans notre jardin, c'est plutôt intéressant. Alors on a un espèce de garage ici, d'accord. Ça a l'air plutôt grand. Très bien. Bon, bah écoutez. Ah, le téléphone sonne. Hey Sebastian. Oh, on a les sous-titres en français, génial. I think we're going to be a little late tonight. Your mom says that she left the pressure cooker on. Could you turn it off, please? Be careful though. Alright? Bye. D'accord, donc en fait c'est nos parents qui sont partis fêter Noël sans nous parce que nous on a un enfant non désiré en fait. On est clairement un enfant non désiré donc. Eh, le film a l'air génial là. Ah mais c'est dragon, non? On dirait dragon. Bam! Alors, nos parents nous ont dit de couper le gaz dans la cuisine, c'est ça? Ah voilà, la cuisine est là, donc attends. Cuisine est là, ah 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 ah! Ah c'est ça qu'il faut couper. Voilà. D'accord, c'est assez chaud. Ok, je viens de couper le truc que papa a dit de couper. Donc c'est plutôt bien.
La déco est bof MDR. Je suis sûr que le truc est rentré pendant que nous étions dehors. Ah bah il y a de fortes chances. Hein. L'animé à la télé du jeu existe vraiment? Il n'a pas été créé? Ah d'accord, ok, ouais, je me disais aussi qu'ils aient créé un animé juste pour le jeu. Oula, il me faut de la lumière là. Là. Allumer les guirlandes du sapin de Noël. Très bien. Alors pour le coup, ce sapin, je le trouve moins bon que celui du premier jeu, vous voyez? Ouais, je suis moins fan. Ah, il y a un mot. Alors comment on fait pour allumer les guirlandes? Cher Père Noël, je me suis très bien comporté cette année. Pour Noël, je voudrais une console de jeux vidéo et un nouveau vélo. Ah, mais j'aimerais tellement une console aussi, moi. Pour Luigi Mansion. Et c'est trop bien, les textes sont en français. Je m'y attendais pas du tout. C'est un petit jeu à la con. Et les textes sont en français. Là, il n'y a pas de clé. Ici, il y a quoi? Ah, ici, c'est un peu creepy, quand même. Merde! Non! Oh, j'ai... Oh, c'est bon. Oh, le con. J'ai coupé l'électricité. Ok. Mais quel imbécile. Le jeu Ison Road a été annulé. Tu sais, Joker, ça m'étonne même pas. Attends, ils l'ont annoncé il y a 3 ans, le truc. Vérifier l'objet étrange par terre. Ah, attendez, il y a un objet étrange par terre. En dessous du lit? Ah là? Ça. Le cerf déteste qu'on l'ignore. Mais je m'en fous, moi. Je vais appeler mes parents. Ouais, appeler les parents, ouais. Pourquoi il y a une musique chelou qui s'est lancée, là? Y'a où le téléphone, y'en haut? Oula, vite. Papa, il y a... C'est quoi cette histoire de cerf, là? Hi. Oh non. Je crois avoir vu une lampe de poche dans l'une des chambres à coucher. Là, 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 là. Article stocké dans l'inventaire. Je veux. Comment on fait pour la... Ouais, voilà, c'est bien. Oh, parfait! Donc, clairement, il y a un bruit chelou dans mes oreilles, là. Vérifier la boîte à fusibles. Putain, on a coupé l'électricité au sous-sol. On vient d'y aller, quoi. Saleté de serre! Oh, il y a une bougie, mais il n'y avait pas cette bougie, là, tout à l'heure. Quoi? Bon, on va remettre les lecs. C'est bon, on a remis les lecs. Je vois une autre... Quoi? Pourquoi il y a un cerf chez moi, là? Oh! On veut Krampus. C'est un miracle. Qu'est-ce que je dois... Putain, j'ai pas compris. Arrête! Putain, va falloir courir. Qu'est-ce que c'est? Il y a un cerf dans la maison. Ok, faut que j'aille où, les crocs? J'ai pas retenu l'objectif, putain. Concours. Il y a un putain de cerf chez moi. Mais je dois aller où? Pourquoi j'ai peur du... Pourquoi il y a un bruit là? La lampe de poche est presque épuisée, je dois l'éteindre pour économiser mes forces. Ah mais à chaque fois faut aller dans... Ah! Bon, il y a une note à terre. L'elfe déteste l'eau. C'est quoi cette histoire? Trouve le pistolet à eau. Bah dans la salle de bain, j'imagine. Bouge pas, toi. Eh, on dirait Emily Wants to Play. Tu sais, genre... Et genre, quand tu la regardes, elle bouge pas, mais t'es...
Ah, oh, oh, c'est bon, on est safe. Ok, pistolet à eau, les Cruz. Alors attendez. Si j'étais un pistolet à eau, où est-ce que je me planquerais? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, je sais plus ouvrir la porte du coup. Où est-ce qu'il est, le pistolet à eau là? Ok, il est monté. Le cerf est monté. Des piles. Putain, yes, on a des piles. Par contre, ce qui est chiant, c'est que à chaque fois, genre, il faut passer ici. S'équiper, combiner avec ça. Voilà. Ok, d'accord. On peut recharger là. Oh, à chaque fois, faut repasser dans le. Oh putain, c'est chiant ça. Genre, y a pas un raccourci ou quoi? Ah non, y a pas. Hein. Putain. Ok. Très bien. Bon, pour l'instant, il y a de l'éclairage, du coup. Tout va bien. Il est dans la cabane. Ah, on peut sortir, ok. Oh, faut regarder le cerf, rappelle-toi de la note, il aime pas être ignoré. Oui, bah oui, j'ai compris qu'en le regardant, ça allait être mieux. Alors, attends, du coup, on est sorti. Alors, la cabane. Ok, on va aller dans la cabane, le pistolet à eau est dans la cabane. On y va. On va prendre la lampe. Je dois trouver une clé pour ouvrir cette porte. Je pense bien qu'elle se trouverait quelque part dans la cuisine. Oh! Ok, la clé de la cabane est dans la cuisine, on y go. Je suis chaud. Eh, hey, mais il est pas mal ce zoo en vrai. Bon, pour l'instant, merde. Putain, le cerf est dans la... Ok, la clé. La putain de clé. Là. On l'a. On court. On se casse. Basculer l'équipement 2 vers main gauche. C'est quoi ce bruit? Ah, je peux allumer la lampe comme ça, c'est bon, j'ai réussi à trouver la touche. Il y a eu un bruit d'enfant. Je dois trouver une clé. Ok, j'ai la clé. Comment je fais? Putain, c'est un bordel ce... Ok, go. Ok. Je passe plus de temps dans les menus que code part. Ok, il y a des piles ici. Très bien, on va prendre. Très utile. Putain, je sens mal. L'elfe, il te court après. Putain, mais c'est Emily Wants to Play version Noël, cette merde. Je m'attendais pas à ça, moi. Ah, le pistolet là-haut, il est là. Article stocké. Alors, attends. Ok. Viser, tirer. Ok. Se diriger vers le kiosque. D'accord, ok. Se diriger vers le kiosque. J'entends le cerf en haut. Merde! Ah! Saleté! Putain, il est là, l'elfe. Je l'ai noyé. Je l'ai noyé. Faut que j'aille où? What the fuck? Mais pourquoi c'est ouvert? Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Au secours. Dirigez-vous vers le kiosque. Ok, on est au kiosque. Je vois une autre note sur la table. Tu viens avec moi? Ben non, en fait. La lampe de poche est presque épuisée, je dois... Ah putain, merde. Merde, non! Je viens de niquer un...
rappeler les parents. Oh putain, faut que je retourne dans la maison. Cette blague. On va recharger la... C'est un bordel sous ce menu. Merde. J'y crois. Je veux finir ce jeu. J'y crois. Ah, putain. J'y crois, les creuses. En fait, ce qu'il faut, c'est foncer, en fait. Faut courir. Là, clairement... Faut que j'arrête les ferro-rochers, je m'étouffe. Ok, des piles, parfait. On fait gaffe à l'elfe. Allez, on fonce. Cette porte est verrouillée, enculé, va. Merde, faut que je trouve un autre moyen d'entrer. Là, il y a une porte, là. Allez, sois ouverte, s'il te plaît, sois ouverte. C'est Noël, magie de Noël. Putain, magie de Noël de merde. Je passe par une fenêtre. Oh, mais c'est ça! Vite, on va rappeler les parents, Allez. Réponds. What's going on? Why don't you answer the phone? Pourquoi tu ne réponds pas à télé? Reviens tout de suite. Des créatures bizarres me courent après. Don't worry, we'll be there by 2 a.m. Quoi? See ya. Mais arrêtez de faire la fête là, votre fils est en danger, putain. 2h du matin, les creuses. Mes parents ne croiront jamais un mot de ce que je leur dis. Vous savez quoi, on va juste se poser ici. Quoi? Ah! Enculé, il a été super vite. Là, il a bien joué. Ah, il m'a fait peur. Je vois la fenêtre s'ouvrir, je fais, c'est quoi ça? D'un coup, je m'attendais pas à le voir arriver aussi vite. Allez, viens. Foiré, va. Bon, on va s'enfermer dans les chiottes. C'est une très bonne idée, les chiottes. Voilà. Et on attend 2h du matin. Et on peut recharger notre pistolet ou en plus, non? Bah attends, s'il faut survivre jusqu'à 2h du matin, moi je reste là et j'attends. Hein. Eh, pas être con, non? Franchement, c'est ce que je ferais dans la vraie vie. Hein. J'irais me planquer dans les chiottes. Hein. Oh merde. Pourquoi ce bruit? Putain, s'il peut ouvrir les portes? Et attends, c'était peut-être le Krampus là, non? C'était peut-être le Krampus. Je ne sors pas, les creuses. Je ne sors pas. C'est mort. Non. Et sinon, il peut aussi informer ses parents en étant en sécurité ailleurs que dans la maison où il est à deux doigts de mourir. C'est juste une idée. C'est le Krampus là? Putain, on vient de l'entendre. Ouais, c'était lui, hein. Merde. Saleté de Krampus, putain, le pistolet là-haut lui fait rien. Merde! Toshi, si ça ouvre une fenêtre, tu crois pas que ça peut ouvrir une... La logique, y a pas de logique. Ok, bon, notre pistolet là-haut ne sert à rien. Ok, on sait que pour le cerf, il faut le regarder. On sait que pour l'elfe, il faut l'arroser. Par contre, Krampus, je sais pas. En plus, il n'y a pas de technique, en fait. Bon, bah, on va essayer de courir. Hein. Enfin, on va juste courir, en fait. Ouais. Je crois que c'est une bonne idée. Le pistolet était vide. Ah là, il en reste, je crois. Hein. Il en reste. Attends. Il en reste deux.
Oh putain, le v'là. Ok, l'elfe est là-bas. Ah mais ils arrivent tous en même temps quoi, c'est... Réunion familiale. Ah il est là, Krampus, il est là. Krampus. Je te fais face. Putain, il va vite. What? Pourquoi tu vas si vite, enfoiré? Mais non. Mais il va trop vite. Il va beaucoup trop vite pour moi. Même en courant, j'arrive pas à le semer. Krampus, on peut pas le tuer. Non, mais en plus, on peut même pas l'échapper. C'est-à-dire qu'il faut même pas le croiser, en fait. Faut l'éviter. Ouais, non, mais faut... Attends, on va regarder l'heure. Elle est où, l'heure? Il me faut une horloge. Parce que je sais pas quelle heure il est. Ils disent survivre jusqu'à 2h du matin. Mais j'ai pas l'heure. Et Zelly, beau gosse! Chien! Enculé! Ok. Y a pas d'heure. Je sais pas quelle heure il est. Il me reste une recharge de pistolet, les crocs. C'est pas ouf. La porte vient de s'ouvrir, là. C'est quoi, ça? Vite, on va à l'étage. Oh! On peut pas se cacher sous un lit ou quoi? Oh, merde. Non. Putain, c'est trop chaud. Mais c'est hyper hardcore. Ok, on peut ouvrir les fenêtres pour s'échapper par les fenêtres. Ça peut être super intéressant. Toshi, tu as une montre. Ah, c'est vrai que j'ai une montre, putain. Ah, il est minuit. Ok, faut tenir 2 heures. Oh. Mais comment je vais faire? On va ouvrir toutes les portes et toutes les lumières. Est-ce que je peux me planquer là-dedans? Ah, je peux pas. Putain, j'ai cru que je pouvais me planquer dans les casiers. Merde. Je sais pas où je vais. Est-ce que je peux sauter ici? Non. Ah! Putain de merde. Ça va être tellement dur. Ça va être compliqué. Ouais, j'ai vu la montre, ouais. C'est pas Monstrum. Ah non, mais c'est carrément plus compliqué là, attends. Comment je vais faire, putain? Faut trouver une technique, les crocs. Qu'est-ce que je peux faire? Survivre. On va descendre. On va essayer d'aller dehors. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je crois que la maison, c'est une mauvaise idée. Parce que la maison, c'est étroit. Il y a pas beaucoup de... Tu vois. On va sortir. Oh putain. Ah. Comme par hasard, ils sont tous dehors. Bien sûr. On va ouvrir les fenêtres. On sait jamais. Il va vite, lui. Hein. Ok, j'ai plus de recharge. On va aller dans... Je sais pas où on va. Oh oh. Krampus est arrivé. Il est minuit 20. Mais c'est... Ah, il est là. Putain, il arrive. Oh, il arrive. Si je me fais voir par lui, je suis mort. J'ai très peur. Il va arriver à gauche ou à droite? Ok, il y a le cerf là-bas. Mais c'est impossible. Il est où, Krampus? Ah, j'entends ses bruits de pas. Il va arriver à gauche. C'est quoi? Pour l'instant, on reste là. Pour l'instant, on a trouvé un endroit. Je ne bouge pas. Je crois qu'en fait, il rentre dans le garage. Il croit que je suis à l'intérieur du garage, mais pas du tout.
Il est quelle heure? Il est minuit 40. Les crocs encore 1h20. Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire? Est-ce que vous pensez qu'en 1h20, on peut le faire? Ça ressemble beaucoup à Emily Monstouple, c'est exactement ça. 45, 50. Ah, c'est long. Pourquoi c'est si long? Oh, y a l'elfe. Merde. Non. Non, y a le cerf à gauche, l'elfe à droite. Oh putain, Krampus, c'est là-bas. Oh putain! Non. Je me suis fait griller. Putain. Plus qu'une heure. Merde! Je vais pas dans le labyrinthe, laisse tomber, je vais pas dans le labyrinthe. C'est horrible! Ces bruits de pas de merde! Il va plus vite que moi, ça me stresse, je suis en stress total. Oh merde. Je suis en stress total. Une heure cinq. Putain, c'est long! Je sais pas si je serais capable de recommencer après. En vrai, là, si je meurs, c'est chaud. Je me ronge les ongles actuellement. Si je pouvais me les ronger, je te jure, je le ferais. Non, on veut pas mourir! J'ai plus de pistolet à eau! Eh, c'est chaud. Ta gueule! Mais non! Je fais une crise cardiaque. 1h10. Non mais c'est une blague là, c'est quoi ce temps là? J'ai fait une crise cardiaque là, clairement. J'ai cru que j'allais mourir. Putain! Ce stress! Merde, le cerf est là. Ok, si je le regarde, le cerf n'avance pas. Ok, ça c'est pas mal. 1h15. Non mais attends, mais c'est quoi ce temps là? Pourquoi il passe plus lentement que tout à l'heure? Ok, le cerf me regarde. On se regarde. On sait qu'on s'aime. On sait qu'on va pas se faire de mal. N'est-ce pas, le cerf? Hein, on va attendre tranquillement tous les deux. Il est 1h20. Il reste 40 minutes. On appelle papa, on appelle maman, on fait nos bails. C'est bien, ça, comme plan, non? Bon, y a pas le... Putain, y a pas l'elfe et y a pas Krampus. Je sais pas où ils sont. Mais ils sont pas là. Il y a juste le cerf. Reste à côté. Oh merde. Krampus est là. Ah. Ok. Les trois sont là. Il faut clairement que je me tire. Oh putain. J'ai plus de pistolet à eau, enculé. Allez, cours. Mais cours. Ça fait très longtemps que j'ai pas autant stressé devant un jeu. Hein. Je vous le dis. Allez, 1h30, c'est beaucoup trop long. Merde, il ouvre la porte. Je préfère rester dans le noir, vous savez quoi? En fait, j'aime bien les angles ici. Là. Tu vois, quand t'es dans un angle de maison comme ça, tu sais ce qui arrive à gauche et à droite quand tu te mets comme ça. Ça, c'est pas mal. Ouh, 1h35. Ça mérite un Ferrero, ça. Je vous le dis. Oh, j'ai bien fait de fermer la porte, putain. L'elfe est là-bas. Krampus est là. Putain, ils viennent de couper l'électricité, ces enculés. Krampus est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait?
putain, il y a l'elfe. Oh là là, je vais me faire gangbang. C'est bon, l'elfe se casse. Eh, hey, mais il faut avoir l'œil partout. Ils viennent de couper l'électricité, il n'y a plus de courant dans la maison. Donc là, à mon avis, si j'atteins les 2 heures, alors soit papa et maman arrivent et c'est bon, je suis sauvé. Soit il faut que je retourne au téléphone, donc il faut que je retourne à l'étage et ça va être hyper chaud. Heureusement que j'ai mon verre de vin. Oh merde. Allez papa, maman. Grouillez-vous s'il vous plaît, grouillez-vous. Eh mais putain, j'ai le PC maudit, je viens encore d'avoir un bruit de follow alors qu'il n'y a pas de follow. 1h50, allez encore 10 minutes. Je suis pas bien. Ah, bordel de merde, je vais faire une syncope là. 1h55, j'ai pas intérêt à mourir maintenant. Campus, ce que tu veux, tu restes où t'es. Alors, putain, on va y arriver les croisés. J'en reviens pas qu'on va réussir. J'en reviens pas. Merde. Oh putain. Papa, maman. Ah, vous savez pas comme je suis content de vous voir. Mais venez pas en fait. Juste, on repart. Juste, on brûle cette maison. Et on ne revient plus jamais. Je crois qu'on a fini le jeu. Attendez. Oh putain, on l'a fait. J'ai chaud, mais je transpire. Ah, il y a eu un bruit. Oh là là, c'est quoi ça? Me dis pas, putain, on est resté dans cette maison. Mais c'était sûr, mais c'était certain. Bon, j'espère que ce live vous aura plu, hein. J'espère que ça vous aura fait plaisir. On aura fait 3 heures de live, hein. Ouais, 3h15 de live. D'habitude, je fais pas autant, d'habitude, je fais moins. Hein. D'habitude, je fais 2 heures. Du coup, ouais. Bon, bah j'espère que vous avez kiffé en tout cas. On va s'arrêter là du coup. Merci à tous d'être venus. C'était un très chouette live de Noël. Encore une fois, un joyeux Noël. On se retrouve, je dirais pas en 2020, je crois qu'on va refaire des lives avant. Mais voilà. Merci pour cette découverte, j'ai bien aimé. Et bah écoute, au plaisir, hein, Green Foxy. Voilà les crocs, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne nuit, faites de beaux rêves. Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Voilà, que dire de plus. Et j'aurais pas fini mes Ferrero, putain. Cool pour le live, c'était sympa. Pareil, je suis venu par hasard et ce fut un heureux moment. Et pour le jeu, et pour le streamer. Ah bah c'est cool, Bukikoa. Je suis content. Allez, je vous laisse avec Rose. Passez une très bonne nuit. À très vite. Ciao.